Salut, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer une forme d'inscription dans site Joomla. D'abord, on va vérifier le site, le site dans lequel on va créer une forme. On clique ici, asacalend.com, et voilà le site qui est là. Et registration, c'est là où on doit cliquer pour s'inscrire. Mais avant tout, nous allons fabriquer une forme d'inscription. Il y a une forme que Joomla même nous donne. Ça, on ne peut pas la supprimer. Exemple, quand on clique ici, voilà, voilà ce que Joomla lui-même il nous donne. On ne peut pas modifier ça, mais on peut ajouter nous-mêmes notre forme sur Joomla. Pour ça, on va venir ici dans administration de Joomla. On va faire user, on fait field group, on fait new. On va donner nom de la forme. Donc, concours de police. Donc, les gens vont s'inscrire pour passer concours de police. Je fais save and close. Ça, c'est fini. Je viens ici sur Fields. Je vais dans Neo. Je mets pays, field group, je choisis concours de police, je fais save and close. Je viens toujours dans Neo, je mets nationalité. Je choisis Field Group, Police, concours de police. Je fais Save and Close. Je viens toujours dans Field, Neo. Je choisis Ville. Je choisis concours de police et je fais save close et voilà. Maintenant nous allons repartir dans le site pour voir est-ce que c'est bien ajouté. On vient ici registration et voilà, on voit c'est bel et bien ajouté. Après name, username et tout ça, nous avons ajouté pays, nationalité et ville. Mais si vous remarquez ici, c'est pas encore activé. Donc on ne peut pas écrire dedans. Nous allons partir activer ça maintenant. On vient dans Field Group. On clique sur concours de police qui est le nom des formes que nous avons créées. On vient sur Permission et on vient activer ça à la haut. À la haut. À la haute. À la haute. On laisse ça. On vient en haut. À la haute. Save Close. Et voilà. On va voir si c'est activé. On fait relou. Voilà, c'est activé. Pays, je peux mettre la Côte d'Ivoire. Ok. Mais on voit devant, c'est écrit optionnel. Optionnel, ça veut dire que on peut remplir cette forme-là
sans remplir pays, nationalité et ville. Parce que, mais cette rôle-là ne porte pas d'étoile comme ceux d'en haut. Cela veut dire qu'ils ne sont pas obligatoires. Même si tu ne les remplis pas, tu peux t'enregistrer. Alors nous, on dit non. On veut que ça soit obligatoire. Il faut forcément les remplir avant d'être enregistré dans le site. Pour ça, on vient ici. On va dans Field. On choisit pays. Et voilà, ici. Records. Ça est sur No. On met sur Yes. Et on fait Save Clause. On revient ici. On fait Reload. On voit bien que le pays est devenu obligatoire. Si tu ne remplis pas le pays, tu ne peux pas. Si on ne sait pas d'où tu viens, tu ne peux pas t'inscrire. Même si tu fais l'inscription, tu ne mets pas le pays. Tu cliques sur Register, ça ne va pas passer. On vient encore, on choisit la nationalité. On fait Yes. On fait Save Clause. Et voilà, on choisit Ville. On fait Yes. On fait Save Clause. On clique ici. On fait Reload pour voir. Voilà, tout est devenu obligatoire maintenant. Et voilà, c'est tout pour ce tuto. Merci et à bientôt.